40% des stands que vous voyez aujourd'hui sont tenus par des commerçants talentueux. C'était aussi un des engagements que nous avions pris de donner la priorité au tissu économique local. C'est un projet qui est respectueux de l'environnement et c'est aussi une des choses sur lesquelles on peut se féliciter. Un grand merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont pensé une des plus belles halles, en tout cas de la région et des départements. Merci beaucoup.